This presentation. Cette présentation. Maurice, est-ce que son micro fonctionne bien? Is it okay? Est-ce que c'est bon? This presentation. Cette présentation. Is not a thorough study on the three woes. N'est pas une étude complète sur les trois malheurs. To do a thorough review of Revelation 9 would take a long time. Parce que faire une révision sur Apocalypse 9 requerra beaucoup de temps. All I'm doing. Tout ce que je suis en train de faire là. Is going over the structure of that chapter. C'est de montrer la structure qui se trouve dans ce chapitre. And how it relates. Et de quelle façon cela est en lien. To the binding off. À la période du déréglage des gerbes. Because I want us to understand. Parce que j'aimerais que vous compreniez. Some. Truth about the binding off in relation to the woes. Cette certaine vérité en rapport avec la période du liage des gerbes et le monde. And what's really nice about this study. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette étude. That it explains the binding off in a really nice way. C'est qu'elle explique la période du liage des gerbes mais d'une très bonne manière. We've spoken about this history here. Alors nous avons parlé de cette histoire là. From 321 to 538, 538 to 1798. L'histoire qui couvre l'an 321 à 538 et 538 à 1798. We've dealt with the four trumpets, the two trumpets, and the last single trumpet. Nous avons donc passé en revue la quatrième trompette, ensuite les quatre premières trompettes, les deux autres trompettes et la dernière. And we've seen. Et nous avons pu voir. That. All of these histories repeat at the end of the world. Que toute cette histoire là se répète à la fin du monde. So we would expect to see. Donc il nous faudra nous attendre. The work and the nature of the fifth and sixth trumpet. Que l'œuvre et la nature de la cinquième et de la sixième trompette. Being repeated in the seventh. Sera répétée au sein de la septième trompette. So I've got the first and second woe. Donc j'ai le premier et le deuxième malheur. Are the same as the third. Qui est identique au troisième malheur. And we can express that graphically. Et nous pouvons exprimer cela d'une façon graphique. Using the symbology of blocks. En utilisant le symbole des cubes. But if we take this symbology of blocks away, mais si nous effaçons, supprimons cette illustration sous forme de cube, and we use lines, et que nous utilisons des lignes, which is what we're familiar with, et nous sommes familiers déjà avec les lignes, we can see that the first and second, nous pourrons voir que le premier et deuxième, will be the third, sera donc le troisième. And we already know that the first, et nous savons déjà que le premier, is 150. Représente donc 150. And we're going to use that. Et nous allons utiliser cela. To develop some truth about the third. Pour développer certaines vérités concernant le troisième. I don't know if you're new to this. Je ne sais pas si vous êtes nouveau à tout ceci. And if it looks relatively straightforward to you. Et si cela vous se présente très clair pour vous et très clair pour vous. And you think. I can understand this. It looks pretty straightforward. I cannot. I can. Et vous dites que je peux le comprendre parce que c'est que ça semble clair. If you can. Si vous le pouvez. I want to show you one level of complexity. J'aimerais vous montrer un niveau de complexité. That I'm not sure that you may have seen. Et peut-être je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu. This is where people begin to get confused on this message. Et c'est là où les personnes commencent à être confuses au sujet de ce message. Or people begin to say it doesn't make any sense. Ou que les personnes disent mais cela n'a pas de sens. So we've got pagan papal. Donc nous avons donc la Rome païenne et papale. United States. I'm going to change this to the UN. Et nous avons les États-Unis et je vais mettre l'ONU là. Because the United Nations. Parce que les Nations Unies. Which is this beast power here? Qui est donc la puissance cette bête là? In Revelation 17. Dans Apocalypse 17. Is being ridden by this woman. Elle est donc chevauchée par cette femme. I don't know if we can all see that. Et j'espère que vous pouvez tous le voir. Just here. Ici là. Okay. So I've just put the United Nations there. Donc là, j'ai juste mis l'ONU. Then we spoke about the two Sunday laws. Donc nous avons parlé des deux lois du dimanche. The two Sunday laws.
Également, en haut, les deux lois du dimanche. The United States falling. Premièrement, les États-Unis chutent. The changes to the United Nations. Ils se transforment, donc ils deviennent les, l'ONU, O-N-U, for us, please. O-N-U. And the United Nations are rising. Et l'ONU s'élève. And then the United States is going to fully be destroyed here and the United Nations take over. Et les États-Unis seront complètement anéantis à la loi du dimanche quand l'ONU prend la succession. So that's all okay. Donc si tout cela est loin pour vous, you might notice something. Vous avez peut-être relevé quelque chose. That this history here, que cette histoire-là entre 538 et 1798, is this history here. Est l'histoire en haut de notre ligne, loi du dimanche, fin du temps de grâce. And this is the history of the first and second woe. Et là, il s'agit de l'histoire du premier et du deuxième malheur. But we're going to take this as the third woe. Mais nous allons prendre le troisième malheur. So that would mean the third woe would be here. Donc cela signifie que le troisième malheur sera positionné là, durant cette période de temps, la loi du dimanche, fin du temps de grâce. Which would indicate ce qui indique that it would begin here. Qu'il va commencer donc à la loi du dimanche. But you know that we begin the third woe back here. Mais vous savez que le troisième, the third, hein, c'est le troisième a commencé au 9/11. So there's more complexity to this than meets the eye at first sight. Mais il y a beaucoup plus de complexité qu'on ne voit pas à la première vue. After one of Brother Mark's presentations this morning, après la présentation du frère Mark ce matin, people approached the board and they asked him some questions. Les personnes sont venues et ils lui ont posé des questions. And one of the questions that they were asking, et l'une des questions qu'ils lui ont posées, you've seen him do, vous l'avez vu faire, the seven plagues, les sept plaies, with midnight. Avec minuit and midnight cry. Et cri de minuit. And what he was trying to show here, et ce qu'il essayait de montrer ici, was not to look into the history of each of those plagues. Ce n'était pas de regarder à chacune des histoires en lien avec chacune des plaies. But he was trying to make a different point. Il essayait de montrer un autre point. And why people find this message so hard, et les raisons pour lesquelles les personnes trouvent ce message si difficile, is because when you see this and you think you understand it, parce que quand vous voyez ce graphique et vous pensez le comprendre, then we suddenly change things, soudainement nous changeons les choses, and we say actually, et nous disons actuellement, this fifth and sixth trumpet, or first and second woe, ce cinquième ou cette cinquième et sixième trompette ou premier et deuxième malheur, is not just this history, ce n'est pas simplement cette histoire, but it's another history as well. Mais c'est également une autre histoire. And it's very difficult to deal with one issue, et il est très difficile donc de gérer une seule question, put that aside, de la mettre de côté, and now use those same symbols in another story or another history. Et après d'utiliser le même symbole mais dans une autre histoire. The rule for doing that, et la règle pour faire cela, is really simple. Est très simple. It's a symbol, c'est qu'un symbole can have more than one meaning, peut avoir plusieurs significations, which is easy to understand, et ça c'est très facile à comprendre. But when you begin to apply it, mais quand vous commencez à le mettre en pratique, people get really confused about it. Et là, les personnes sont vraiment confuses. So, I don't want you to be confused. Je ne souhaiterais pas que vous le soyez. But I just want you to be aware of this. Mais je voudrais que vous soyez conscient de cela. So that when you go away and start thinking about these things, parce que lorsque vous allez partir et réfléchir sur ces choses, you don't think, he was saying it's here in the Sunday law. Vous n'allez pas penser, ah, il a dit que c'est là la loi du dimanche. But now he's applying it here at 9/11. Et mais maintenant, il l'applique au 11 septembre. And why would he be doing that? Mais pourquoi fait-il cela? So, let me just try and explain it in a simple way. Donc, laissez-moi vous l'expliquer d'une façon simple. We can see here we've got a Sunday law and a Sunday law. Nous pouvons voir ici que nous avons donc deux lois du dimanche, une loi du dimanche et une autre qui a suivi. Sunday law, Sunday law. Nous avons donc une loi du dimanche et une autre.
four trumpets. Nous avons quatre trompettes. Trumpets 5 and 6. Et ensuite nous avons les trompettes 5 et 6. So what we're going to do? Donc ce que nous allons faire, take the common symbol. C'est nous allons prendre le symbole en commun. And say that they're the same thing. Et nous dirons que c'est la même chose. And so that gives us the ability. Et cela nous donne la capacité to take this history. De prendre donc l'histoire de la cinquième et de la sixième trompette. And bring it down here. Et de la juxtaposer sur l'histoire des quatre premières trompettes. So that's teaching you. Donc cela nous enseigne a couple of things. Plusieurs choses. That the trumpets are all the same. They're doing the same thing, punishing. C'est que le but des trompettes est le même, c'est qu'elles punissent. They're punishing Rome. Et leur but c'est de punir Rome. And we're going to take these histories. Et nous allons prendre donc ces histoires. And bring them to the end of the world. Et nous allons les placer à la fin du monde. So the history here of the punishment of pagan Rome. Donc l'histoire là concernant la punition de Rome. And the punishment of papal Rome. Et aussi du châtiment de la Rome papale. Ends up being the punishment of Rome at the end of the world. Se termine comme étant donc la punition de Rome, mais cette fois la fin du monde. So we should be able to line this up here. Donc nous devrions être en mesure d'aligner cela. Here. Donc dans notre ligne à partir de la loi du dimanche. And here. Mais également au cri de minuit. And it's taking the right symbology from these histories. Et cela nous donne donc le bon symbolisme qui se trouve dans ces histoires. To make the right application in any portion of this story. Afin de pouvoir faire l'application juste dans chacune de ces histoires. As an example. En tant qu'exemple. We said from here. Nous avons dit qu'au cri de minuit. To here. À la loi du dimanche. Pagan Rome's going to be destroyed. La Rome païenne donc sera détruite. For making a Sunday law. Parce qu'elle a mis en place une loi du dimanche. So we know that. Donc nous le savons ça. And it's going to be this history here of these seven trumpets. Et donc cela sera représenté par cette histoire des sept trompettes. Four trumpets. Ouais, des quatre premières trompettes. So we should see characteristics of these trumpets in this history. Alors dans cette histoire qui couvre donc pour nous cri de minuit à la loi du dimanche, nous devrions être en mesure de voir les caractéristiques But de cette histoire. At the same time, mais au même moment, the papacy is being destroyed here. La papauté a été détruite avec la cinquième et sixième trompette. With the fifth and sixth trumpet. Avec la cinquième et sixième trompette. But remember, mais souvenez-vous, the papacy, la papauté, is being protected by pagan Rome. A été protégée par la Rome païenne. Pagan Rome, la Rome païenne, is the United States. Est sont les États-Unis. So you can see, donc vous pouvez voir, there is a methodology or a logic. Il y a une méthodologie ou bien une logique. To not just placing it here. De ne pas la placer uniquement à la loi du dimanche jusqu'à la fin du temps de grâce. So let me take that out. Donc j'enlève cela. And we have the first woe and the second woe. Donc et je mets à la place premier et deuxième malheur entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. But then we could also put the first and second woe here. Mais nous pouvons également mettre le premier malheur et le deuxième malheur. Entre cri de minuit et loi du dimanche. Hopefully that wasn't too quick for you. Et j'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous. Yes, no? J'ai été trop rapide? Yes. Okay. So, we've got two Sunday laws. Nous avons deux lois du dimanche. Which I've shown here. Que nous avons montré en haut du tableau. Because the Sunday law is a common symbol. Parce que la loi du dimanche, étant donné que c'est un symbole commun. You can put that underneath here. Donc vous pouvez mettre cette deuxième loi du dimanche sous la première. Because we're lining up Sunday laws. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous juxtaposons les lois du dimanche. Which is what we've done in many different studies. Et c'est ce que nous avons déjà fait dans plusieurs études. But in this story, it's four trumpets, and this it's two trumpets. Mais dans ces histoires des deux lois du dimanche, premièrement, il y a les quatre premières trompettes, et ensuite, il y a la cinquième et sixième trompette. So, this power here. Donc cette puissance-là, sous la cinquième et sixième trompette, which was this Sunday law, qui représente donc cette loi du dimanche pour notre ligne, because this is the papacy, parce que là, il s'agit donc de la loi la papauté. You would expect to see the fifth and sixth trumpet, donc il vous faut vous attendre à voir la cinquième et sixième trompette, the first and second woe, ou bien le premier malheur et deuxième malheur. So this fits right here. Donc le premier malheur ou le deuxième malheur ou cinquième, sixième trompette se place là, entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. But you can connect through symbology, mais par le symbolisme, vous pouvez la relier
that the four trumpets would also be here. Vous pouvez la relier avec les quatre premières trompettes, et ces quatre premières trompettes, nous les placerons également sur la même période de temps, loi du dimanche à la fin du temps de grâce. Likewise. Oui, comme. Similarly. Oui, comme. We've got this history here. Tout comme nous avons cette histoire-là de la Rome païenne, 321 à 538. Which is this history. Qui représente donc l'histoire des États-Unis. And this is the story. Et c'est l'histoire. Of the four trumpets. Des quatre premières trompettes. But the four trumpets parallels the first and second woe. Mais n'oubliez pas que les quatre premières trompettes parallèlent le premier et deuxième malheur. So we can see. Donc maintenant nous pouvons voir. How we pick up characteristics of all of these woes in each of these two histories. Comment nous prenons les caractéristiques de chacun des malheurs dans chacune des histoires. I know that's quite difficult. Et je sais que c'est assez difficile. But we do these things very often. Mais nous faisons ces choses très souvent. I got the impression. J'ai l'impression. When this has been done this week. Quand cela a été fait cette semaine. Some people have not understood how that works. Que certaines personnes n'ont pas compris comment ça fonctionne. I give an example. Je vais vous donner un exemple. If this was the time of the end. Si cela représente le temps de la fin, TDF. And this was 9/11. Et que cela est le 11 septembre. Then we had Cyrus and Donc, Cyrus. Nous avons Cyrus à ses deux balises. You have Jehoiakim. Jehoiakim. Donc vous avez également Jehoiakim à ses deux balises. Please, could you write higher? Time of the end of 9/11. Donc on reprend temps de la fin le 11 septembre. And there was Cyrus. Ensuite, nous avons Cyrus, Cyrus aux deux balises. Jehoiakim. Mais aussi Jehoiakim. Jehoiakim. Et aussi Jehoiakim. Bush. Nous avons également Bush. Bush. Et aussi Bush. So you could see these parallels between them. Donc vous pouvez voir le parallèle qui existe entre cela. Now it's easy to just to do this. Mais il est très simple de faire cela. But I think some people don't understand how you do this. Mais je crois que les personnes ne comprennent pas de quelle façon nous faisons cela. And that's what you need to understand. Et c'est ce qu'il vous faut comprendre. How you go about developing this understanding. Comment vous faites pour développer cette compréhension? So I'm just explaining the same thing here. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que j'explique la même chose ici. Because you see, I've done the same thing. Parce que vous voyez là, j'ai fait la même chose. Two histories. Il y a deux histoires. Which were sequential. Qui sont séquentielles. They have similar characteristics. Mais ces histoires contiennent des caractéristiques similaires. They both begin with a Sunday law. Les deux histoires commencent avec une loi du dimanche. They have the same power or the same state in this, both histories. Ils ont le même, la même place ou la même puissance dans les histoires. They're connected by these trumpets. Et ces deux histoires sont en rapport avec les trompettes. And there is, this is a repeat and enlargement. Et il s'agit donc d'une répétition et d'un élargissement. So that's how you're able to do this. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en mesure de faire cela. So hopefully that's a little clearer. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Then it gets one level more complicated. Et ensuite, ça devient un peu plus compliqué à un autre niveau. Because when you go to this history here at 9/11, parce que lorsque nous nous parvenons à l'histoire du 11 septembre, and you go into various Bible stories, et que vous prenez donc différentes histoires bibliques, this is Millerite history. Il s'agit là de l'histoire des Millerites. The first, second, and third message. Il s'agit du premier, deuxième et troisième message. And this. Et cela, is the first day of the first month. À l'étape 2, il s'agit du premier jour du premier mois. The 19th of April. La date du 19 avril 1844. So we've discussed this already. Nous avons déjà parlé de ce point. Because it's the second angel's message. Parce qu'il s'agit du deuxième ange. It says Babylon. Il nous est dit que Babylone is fallen. Est tombée. Est tombée. T-O-M. Pardon. T-O-M-B-I. Tombé, tombé, yes, you can say that. So Babylon is fallen, is fallen. Donc Babylone est tombé, est tombé. In this history here of the Millerites. Dans cette histoire-là ou celle des Millerites. What are they talking about? De quoi parle-t-il? You need to know the history of what's going on here. Il vous faut savoir l'histoire de ce qui est en train de se dérouler là. Because this history. Parce que cette histoire. Is the United States. C'est l'histoire des États-Unis.
the church. Mais au niveau de l'Église. So you can get this history of Millerites. Donc vous pouvez prendre l'histoire des Millerites. And bring it into our own history. Et la placer dans notre propre histoire. And when you do that, et lorsque vous faites cela, you get to 9/11. Vous arrivez donc au 11 septembre. And here, et là, you're going to see the same statement. Vous allez donc retrouver la même déclaration. Babylon is fallen, is fallen. Sur la chute de Babylone, qu'elle est tombée, elle est tombée. This cela was Revelation 14, 8. Donc le premier, là, la première chute, c'est Apocalypse 14, verset 8. And this is Revelation 18, 2. Et pour donc le 11 septembre, il s'agit d'Apocalypse 18, le verset 2. History repeats. L'histoire donc se répète. So who is this statement made against? Alors cette déclaration d'Apocalypse 18, 2 sur la chute de Babylone est faite contre qui? The United States. Mais elle est faite contre les États-Unis. But this is now the government. Mais là maintenant, il ne s'agit pas de l'Église, mais de la corne du gouvernement. When you begin to understand what's going on here at 9/11, et quand vous commencez à comprendre ce qui se passe au 11 septembre, you can demonstrate, vous pouvez donc démontrer that this event here, que cet événement-là au 11 septembre, was the bringing in of a Sunday law, était donc l'introduction pour remettre la loi du dimanche. I think Brother Mark's tried to explain this. Et je crois que le frère Mark essaye d'expliquer cela. From this story here. À partir de cette histoire-là. So there's a Sunday law here. Donc dans cette histoire-là, il y a une loi du dimanche. But the problem is. Mais le problème est celui-ci. God's people aren't ready. Le peuple de Dieu n'était pas prêt. So the Lord has to stop this Sunday law from happening. Donc le Seigneur a dû mettre un stop à cette loi du dimanche pour qu'elle ne se passe pas. So we could call it a phantom Sunday law. Un fantôme. So on peut l'appeler une loi du dimanche fantôme. You might think that sounds very strange. Et peut-être que vous pouvez penser que c'est assez bizarre. But if you go to Revelation 17, mais si vous allez dans Apocalypse 17, that beast that we spoke about, cette bête dont nous avons fait référence, it says this beast has got how many heads? Elle nous dit combien de têtes nous dit-on que cette bête a? Seven. Elle a sept têtes. Now just read a quick verse in Revelation 17. Et lisons rapidement Apocalypse 17. Just to make this point. Juste pour faire ce point-là. So if we were to read. Et si nous faut lire. If you read verse 3. Et si nous lisons le verset 3 d'Apocalypse 17. Je vais le lire en français uniquement. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. So it says it's got seven heads. Donc elle nous dit qu'elle a sept têtes. But if you read verse 11, mais si vous lisez le verset 11, it says, and the beast that was and is not, even he is the eighth. Et la bête qui était et n'est pas, elle est elle-même le huitième. And is of the seven. Et elle est des sept. So you see that there's this eighth that's been mentioned here. Donc vous savez qu'il y a cette huitième tête qui est mentionnée là. But it doesn't really exist. Mais en fin de compte, elle n'existe pas vraiment. Because the beast has only got seven. Parce que la bête, elle n'a en réalité que sept. So you need to understand how you can get this eighth into this seven. Donc il nous faut comprendre de quelle façon on peut avoir cette huitième tête qui vient des sept. Now people will explain it in different ways. Il y a des personnes qui l'expliquent d'une façon différente. And I guess the way I explain it. Et je pense que la façon dont je l'explique, is that it's a phantom head. C'est que c'est une tête fantôme. Just as this was a phantom Sunday law. Tout comme au 11 septembre, c'était une loi du dimanche fantôme. So they wanted to make a Sunday law. En fait, ils voulaient mettre en place cette loi du dimanche. To destroy God's people. Afin de détruire le peuple de Dieu. But they weren't allowed to do so. Mais ils n'ont pas été, cela ne leur a pas été permis. So if you bring that concept into this story, donc si vous prenez ce concept et que vous l'introduisez dans cette histoire là, and you can see a Sunday law here, alors à ce moment là vous pouvez voir donc une loi du dimanche au 11 septembre. Then that gives you the ability, et cela vous donne donc la capacité, to take these histories here, de prendre donc l'histoire des deux lois du dimanche là, and bring them up to 9/11, et de les introduire donc à partir du 11 septembre. So hopefully you can see the reasoning behind that. Et j'espère que vous voyez la logique, le raisonnement qu'il y a derrière cela.
I've realized I haven't proven. Et je réalise que je n'ai pas prouvé. This potential Sunday law here. Cette loi du dimanche potentiel. But once you can see the reasoning behind it. Mais quand vous pouvez voir la raison qui est cachée derrière. You can see that you get these multiple punishments that are going on. Vous pouvez voir qu'il y a ces châtiments multiples qui ont lieu. But we've also demonstrated this. Mais nous avons également démontré cela. Through the structure of the 150. Par la structure des 150. Because we read in Revelation 9. Parce que nous avons lu dans Apocalypse 9. That the first woe. Que le premier malheur. This one here. Le premier malheur. Is 150. Dure 150 ans. And we've already marked 150 as beginning here at 9/11. Et nous avons déjà indiqué que 150 commence au 11 septembre. I can see this is not easy. Je peux voir que ce n'est pas très facile. So I'm going to take this off. You got it. Okay. Laurence says she grabbed it. She understands it. So if my sister can grab it. Wait. If they can grab it, I'm sure other people can. Alors, as well. Si les deux sœurs devant peuvent le comprendre, donc je suis sûre que d'autres personnes sont en mesure de le comprendre également. So we've got 1989. Donc nous avons 1989. 9/11. Le 11 septembre. Midnight. Nous avons donc minuit. Midnight cry. Ensuite le cri de minuit. And the Sunday law. Et ensuite, nous avons la loi du dimanche. And what we're going to do. Et ce que nous allons faire. Is superimpose onto this. C'est superposer sur ça. Those trumpets and woes. Les trompettes et les malheurs. We're not going to do it in an exhaustive fashion. Nous n'allons pas le faire de façon complète. That's not my purpose. Parce que ce n'est pas mon but. Because I just want to explain some things here. Parce que je veux juste expliquer quelque chose entre les balises de minuit et de la loi du dimanche. Because we need to have confidence. Parce qu'il nous faut avoir foi. About the structure from midnight cry to the Sunday law. Sur la structure du cri de minuit à de minuit au cri de minuit, du cri de minuit à la loi du dimanche. Before we develop this, mais avant de développer cela, just want to remind ourselves, j'aimerais vous rappeler quelque chose of something that we've discussed already, sur un sujet dont nous avons déjà parlé. And this was the binding off. Et là, il s'agit de la période du liage des gerbes of these three groups. Des trois groupes. The priests, les prêtres, the Levites, les Lévites, and the 11th hour workers, et les ouvriers de la 11e heure, or the Nethinims, ou bien les Nethiniens. So we're defining. Nous avons défini that the third step, que la troisième étape, for each of these three groups, pour chacun des trois groupes, is from midnight. Donc commence à partir de minuit, pardon. To the midnight cry. Au cri de minuit. Midnight cry to the Sunday law. Cri de minuit à la loi du dimanche. And Sunday law. Et loi du dimanche. To the close of probation. À la fin du temps de grâce. All of this. Tout cela. Becomes the third step. Devient donc la troisième étape. The only thing that we disagree with. La seule chose sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. When it comes to what the church teaches. C'est quand on arrive aux enseignements de l'Église. Is that the church only recognizes this? Parce que l'Église ne reconnaît que ces deux balises, la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. And we recognize all of this. Et nous reconnaissons les trois groupes. Now you might think that's not much of a disagreement. Et vous pourrez penser que ce n'est pas un désaccord majeur. But look what the problem is. Mais regardez où se pose le problème. For a start, the church doesn't recognize these two groups. Parce que déjà, premièrement, l'Église ne reconnaît pas les deux groupes, les prêtres et les lévites. So we'll just change this. Donc nous changeons juste cela. And make this one group. Et nous faisons en sorte que ce n'est qu'un seul groupe. So I'm going to change it here. Et je vais le changer là. To midnight. Je vais mettre minuit, Sunday law, la loi du dimanche, close of probation, et la fin du temps de grâce.
And I'm going to say this is Adventism. Et je vais dire que de minuit à la loi du dimanche, il s'agit de l'adventisme. And this is the world. Et là, le world, monde, M. D-E. OK. Let's say Adventism, like, because SDS means nothing in French. Yeah. Oh dear. Yeah, yeah. Adventism with an E at the end. Donc on va écrire Adventist parce que SDS chez nous, ça veut rien dire. Adventist? Yes, good. So you've taken the Sabbath out of your name. Yeah. Yes, but Adventist du septième jour, so it's... Okay, so this is how the church... See these two groups. Donc voilà la, de cette façon dont l'Église voit les deux groupes. But the church doesn't agree with this. Mais l'Église n'est pas en accord avec cela. Because they see the third step here. Parce qu'elle voit donc la troisième étape à la loi du dimanche. So everybody knows you have to go to the third step. Et chacun sait qu'il nous faut aller au troisième, à la troisième étape. So where would you put the Adventists? Donc à ce moment-là, où vous placez les Adventistes? When we think about their third step. Quand nous pensons à leur troisième étape. It has to be pushed forward. Donc leur troisième étape, ça doit être donc repoussée. Into this history. À l'histoire du monde. À partir de la loi du dimanche. This is the problem. Et c'est ça le problème. This simple disagreement. Ce simple désaccord. That we say that the third step is progressive. Alors que nous nous disons que la troisième étape elle est progressive. If you don't see that. Si vous vous ne le voyez pas. You get the close of probation for Adventists. Vous aurez donc la fin du temps de grâce pour l'adventisme. To be in this history. Qui sera donc dans l'histoire du monde, hein, la loi du dimanche jusqu'à la fin du temps de grâce. And not our own history. Et non pas dans notre propre histoire entre minuit et la loi du dimanche. So. You and I really need to settle into this fact. Et vous et moi, il nous faut vraiment être affermis sur ce fait. Who's right? Qui a juste? And who's wrong? Et qui a tort? Because this portion of history here. Parce que cette partie de l'histoire là, entre la loi du dimanche et à la fin du temps de grâce. Is the test. C'est un test. This is the test for the world. Parce que là, il s'agit du test pour le monde. And then probation will close. Et ensuite, la fin du temps de grâce va se finir. And if there's only one third waymark. Et s'il n'y a qu'une seule balise qui indique la troisième étape. Which is to do with the Sunday law. Qui a à voir avec la loi du dimanche. Then Adventists. Alors les Adventistes. Will have to be tested there. Doivent être testés là durant cette période là. Close their probation at the same time. Et enfin, à la loi du dimanche jusqu'à la fin du temps de grâce, et la fin du temps de grâce, c'est la même que celle pour le monde. So this is not some minor issue. Et ce n'est pas du tout un problème mineur. This is an issue of salvation. Parce qu'il s'agit là d'un problème de salut. There's a phrase in the English. Il y a une phrase dans l'anglais. It says ignorance. Il nous dit que l'ignorance is not bliss. Et not or happiness. Ce n'est pas le bonheur. Some people think if you're ignorant, certaines personnes pensent que si nous sommes ignorantes, if you don't know something, si nous ne connaissons pas quelque chose, you can be happy. Vous pouvez être heureux. But the reason why it doesn't work, mais la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas, is because Rome, c'est parce que Rome, is not ignorant, n'est pas ignorante. We are ignorant, nous le sommes, but Rome isn't, mais Rome ne l'est pas. And that's what the problem is. Et c'est ça le problème. Rome understands what it's doing. Rome comprend ce qu'elle est en train de faire. And if you're not awake, et si vous n'êtes pas réveillé, when that thief comes, quand ce voleur arrive, because he's the robber of God's people, parce que c'est le voleur de ton peuple, du peuple de Dieu. That's Daniel 11, verse 14, I think. C'est Daniel 11, 14, je pense. Then he's going to steal from you. Alors il va vous voler. Destroy your house. Il va détruire votre maison. So you need to be aware. Il vous faut donc être conscient. Where you are in prophecy. Là où vous vous trouvez dans la prophétie. Is this model that the church teaches correct? Si le modèle enseigné par l'Église est juste. Or is our model correct? Ou bien est-ce le nôtre qui est juste? That's what this whole message is about. Et c'est ce sur quoi porte tout notre message. You've got to know who's telling the truth. Il vous faut savoir qui dit la vérité. Who's understanding scripture correctly. Qui comprend les Écritures de la bonne façon. And who's giving the warning message in the right fashion. Et qui délivre l'avertissement, mais de la bonne façon. Obviously, I believe that we are.
Je pense que c'est nous. And it's based upon this progressive work of these three steps, the third step. Et c'est basé sur cette œuvre progressive de la troisième étape. So, when you see this, quand vous voyez tout cela, you need to understand, il vous faut donc comprendre, the history from midnight to the midnight, sorry, from midnight to the Sunday law. Que l'histoire qui couvre minuit à la loi du dimanche. But if we are teaching what's correct, mais si notre enseignement est juste, and I got this question, someone asked the question, are we all priests? Et quelqu'un a posé la question, est-ce que nous sommes tous des prêtres? And I addressed that question. Et j'ai déjà répondu à cette question. You need to treat everybody like they're a priest. Il faut traiter toutes les personnes ici comme si elles sont prêtres. Because today is the day of salvation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. So if that's correct, donc si ce schéma est correct, and we're here, et que nous nous trouvons là, 2016, en 2016, nous nous trouvons juste avant minuit. We're in our second step. Donc nous sommes dans le processus du deuxième et la deuxième étape. Soon to reach our third. Et prêt à atteindre la troisième étape bientôt. And I don't want you to misunderstand. Et je ne souhaiterais pas que vous vous mépreniez. That when we have this third step here, parce que lorsque nous avons cette troisième étape ici, that you've got time in this period to do something, que vous avez encore du temps entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce pour faire des choses. Because we say that this is a Sunday law, this is the close of probation. Parce que nous disons que là, il s'agit d'une loi du dimanche et d'un temps de la fin du temps de grâce. We're trying to teach something by this graphic. Nous essayons d'enseigner quelque chose à partir de ce graphique. And what we're not trying to teach. Et ce que nous n'essayons pas du tout d'enseigner. Is that you've got time to do something here. C'est que vous disposez encore de temps entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce pour faire quelque chose. Because what we're showing here. Parce que ce que nous sommes en train de montrer là, la loi du dimanche. This is the first Sunday law. Que là, à la loi du dimanche, il s'agit de la première loi du dimanche. And this is the last. Et là, the last of, dernière, D-I-R, D-I-R-N-I-R-I, dernière. This is the first and this is the last. Parce que là, la loi du dimanche est la première et à la fin du temps de grâce, ça sera la dernière. It's all one Sunday law. Mais en fin de compte, il ne s'agit qu'une seule loi, que d'une seule loi du dimanche. So if this is all one Sunday law, si il ne s'agit en fin de compte que d'une seule loi du dimanche, then you know, nous savons, donc vous savez, that this close of probation, que cette fin du temps de grâce, isn't just this event here, ne représente pas simplement cet événement-là. It's this whole history. En fin de compte, ça couvre toute cette histoire qui est comprise entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. So we could do this. Donc nous pouvons faire cela. All of this is the close of probation and all of this is the Sunday law. Nous pouvons dire donc que cette période de temps représente la loi du dimanche ou la fin du temps de grâce. I get concerned sometimes. Et des fois je suis préoccupé. That when we draw these lines, que lorsque nous dessinons ces lignes, with these waymarks, avec ces balises, people are misunderstanding what we're saying. Que les personnes ne comprennent pas ou comprennent mal ce que nous disons. If we didn't do the graphics, si nous ne faisons pas de graphique, you wouldn't understand anything that we're teaching. Vous n'aurez rien compris du tout de ce que nous enseignons. Because it's so complicated. Parce que c'est si compliqué. But when we put a graphic up, mais lorsque nous dessinons un graphique, which is an aid or a help, qui représente donc une aide, and it does help us a lot, cela nous aide énormément. What we have to remember, ce qu'il nous faut nous souvenir, that this is a childish way of teaching a complicated story. Que c'est une façon enfantine d'enseigner une histoire compliquée. And I think Brother Mark mentioned at the very beginning, et je crois que le frère Marc l'a mentionné au tout début. If you don't ask, si vous ne posez pas de questions, we don't know that there's a problem. Nous ne saurons pas qu'il y a un problème. And I do try my best, et j'essaie de faire de mon mieux, to preempt your questions, de devancer vos questions. But you still may have other questions. Mais malgré tout, vous avez encore d'autres questions. So one thing I know that people have a problem with, et une des choses que je sais par rapport au problème des personnes, is this problem here, that there's a Sunday law and a close of probation, c'est ce problème-là entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce. And I'm saying this is deceptive. Et ça, je dis qu'en fin de compte, c'est une tromperie. Because the close of probation is here, parce que la fin du temps de grâce, c'est là, la loi du dimanche. As much as the Sunday law is here.
Tout comme la loi du dimanche se trouve là aussi à la fin du temps de grâce. So you can collapse this into a singular point. En fin de compte, vous pouvez les fusionner ensemble comme étant un seul élément. And how do I know that? Et comment je sais tout ça? Because we taught you this before. Parce que nous en avons déjà parlé précédemment. We said, nous avons dit 9/11, que le 11 septembre, midnight cry, que le cri de minuit, Sunday law, que la loi du dimanche, and when you're way back here, white, more bigger, please. Et quand vous êtes ici, là, and you're looking at these three waymarks, et que vous regardez à ces trois balises, that the midnight cry, que le cri de minuit, looks like a singular event, semble être un seul événement. But as you get closer, mais alors que vous vous rapprochez de cette balise du cri de minuit, you'll see that it gets further and further apart. Vous voyez en fin de compte qu'elle a plusieurs parties. Hein. And there's these two waymarks. Et que en fin de compte qu'il y a ces deux balises là. But they're connected. Mais ces deux balises en fin de compte sont reliées ensemble. Because at one level they're just a singular waymark. Parce qu'à un certain niveau, en fin de compte, elles représentent qu'une seule balise. And that's what is happening here. Et c'est ce qui se passe ici à la loi du dimanche. This, celle-ci, cette balise, is the close of probation, c'est la fin du temps de grâce. As much as it is the Sunday law. Autant qu'elle est qu'elle représente la loi du dimanche. But if you zoom in, mais si vous zoomez, you'll see that it's two-way marks. Vous allez découvrir qu'en fin de compte, il s'agit de deux balises, loi du dimanche et fin du temps de grâce. Because we want to make a point. Parce que nous voulons, en fin de compte, faire un point. So, we need to realize, donc il nous faut donc réaliser that our probation closes here at midnight, que notre probation là se termine à minuit. It's all finished by the midnight cry. Et tout sera terminé au cri de minuit. Then begins the work of the Levites. Et ensuite, à partir du cri de minuit, ça sera l'œuvre des Lévites qui commencera. And then the 11th hour workers. Et ensuite, à la loi du dimanche, celle des ouvriers de la 11e heure. June just gone. Juin, ouais, passé. We did a series that deals with this issue. Et en juin dernier, nous avons fait une série qui traite de ce sujet. I asked you about this at the beginning of the week. Et au commencement de la semaine, je vous ai posé la question. And many of you said you hadn't watched them. Et beaucoup d'entre vous avez répondu que vous n'avez pas regardé cette série. Please go and watch those presentations. S'il vous plaît, allez et regardez ces présentations. Because they explain in detail. Parce que ces présentations expliquent en détail. The reason and the logic behind this. La raison et la logique qui se trouvent derrière cela. So we're here. Donc nous sommes ici là maintenant. And we want to superimpose upon this line. Et nous voudrions donc superposer cette ligne. The story of the woes from Revelation 9. Nous voulons donc superposer l'histoire des malheurs d'Apocalypse 9. One thing we want to see. Une chose que nous aimerions voir. Which isn't obvious at first sight. Qui à première vue n'est pas évidente. Is that the fifth and sixth trumpet? C'est que la cinquième et sixième trompette. And the seventh, mais également la septième trompette. All run sequentially. Tout se passe de façon séquentielle. Chacune est séquentielle. With no gaps between them. Il n'y a aucun trou entre elles. Aucune pause, on va dire. But when it deals with these trumpets, mais quand on parle donc de ces trompettes, it also identifies them as these woes. Elles sont, ces trois dernières trompettes sont identifiées comme étant des malheurs aussi. So each trumpet, donc chacune des trompettes has a woe attached to it. A un malheur qui lui est propre, attaché. So the simplest way that I can explain a woe, donc la manière la plus simpliste pour expliquer ce qu'est un malheur is an intensification, c'est donc une amplitude, une intensification of the punishment that's happening in that history. Du châtiment qui va se passer à l'intérieur de cette histoire. So this punishment of the fifth trumpet, donc le châtiment de la cinquième trompette, there's going to be a portion of this history when it's intensified. Donc ça veut dire qu'il y aura une partie de cette histoire où le châtiment sera intensifié. The same with the sixth and the same with the seventh. Et il en est de même avec la sixième trompette et la septième.
When you begin to understand the relationship between the intensification, quand vous commencez donc à comprendre la relation qui existe entre l'intensification and the general punishment, et le châtiment général, then it begins to open up many truths. Donc cela vous permet d'ouvrir, cela vous ouvre beaucoup plus de vérités. So for the fifth trumpet, par exemple pour la cinquième trompette, it looks like this. Cela ressemble un peu à cela. The intensification is at the back end of the trumpet. L'intensification, en fin de compte, c'est la fin de la trompette. And with the sixth trumpet, en revanche, pour la sixième trompette, it's at the beginning. L'intensification se place au début de la trompette. And then you have to take all of these factors. Et il vous faut prendre, en fin de compte, tous ces facteurs and bring them into the story of the seventh trumpet. Et les emmener donc à l'intérieur de l'histoire de la septième trompette. So we want to deal with this history here. Nous voudrions donc parler de cette histoire là. And bring it into our own line. Et nous voudrions donc l'amener, l'introduire dans notre propre ligne. If we get to 1989. Donc si nous allons donc à 1989. I'm saying this is when the fifth trumpet begins. Et je dis là que c'est à ce moment-là que la cinquième trompette a commencé. It begins in the year. Donc elle commence à l'année 606. What is M? Malheur? But yeah. Fifth malheur, you mean? Oh, sorry. Okay. No, let me redo that. Yeah. Fifth trumpet. Donc la cinquième trompette la commence en 1989. So the fifth trumpet begins in the year 606. Donc la cinquième trompette dans l'histoire commence en l'an 606. And here. Mais ici, là, is where Islam begins to rise. C'est le commencement de la montée de l'islam. And in 1989, et en 1989, l'islam, radical Islam, l'islam radical, began to rise. Commence à s'élever, à monter. And it began to rise in 1989. Et il commence à surgir en 1989. Because for the last 10 years, parce que durant les 10 dernières années, from 1979, à partir de 1979, the Soviet Union, l'Union soviétique, was making war, faisait donc la guerre, against Islam, contre l'islam, and this was in Afghanistan, et ça se situait cette guerre en Afghanistan. So they were keeping Islam contained. En fin de compte, l'URSS contenait l'islam. So if you can think of a box, si vous pouvez penser à une boîte, that box was Afghanistan. La boîte, c'était l'Afghanistan. The Soviet Union had closed the lid. L'URSS closed the lid, avait fermé donc le couvercle. And they were keeping them down. Et les gardait à l'intérieur de cette boîte. But in this history, mais dans cette histoire, the papacy wants to begin to rise. La papauté également voulait commencer à s'élever. Because it wants to take over the world. Parce qu'elle voulait conquérir le monde. And as it wants to begin to take over the world, alors qu'elle voulait commencer sa conquête du monde, it needs to deal with all the major powers. Elle avait besoin de traiter avec les puissances mondiales principales. And one of them is the Soviet Union. Et l'une de ces puissances principales, dominantes du moins, était l'URSS. Papacy has no power. La papauté n'a aucune puissance. So they're going to go into an alliance with the United States. Donc elle a dû donc rentrer en alliance avec les États-Unis. And they're going to instruct the United States. Et elle allait instruire les États-Unis to begin to bring down the Soviet Union. Pour qu'ils commencent donc à renverser l'URSS. So the United States is going to begin to do this work. Donc les États-Unis ont commencé cette œuvre. So radical Islam here. Donc l'islam radical là. Which are called the Mujahideen. Qu'on appelait les Mujahideen. In this history. Dans cette histoire. The United States begins to assist and help them. Donc les États-Unis ont commencé à les assister to resist the efforts of the Soviet Union. Afin qu'ils soient en mesure de résister à l'URSS. And then on top of that, et au-delà de tout ça, the United States, les États-Unis, is going to switch off the tap, couper le robinet, yes, of the Soviet Union's money supply. Des ressources de l'URSS.
So the Soviet Union is pouring money into this war. Donc l'URSS envoyait de l'argent dans ce monde, dans cette guerre. The United States are helping their opponents. Et donc en revanche, les États-Unis aidaient leurs opposants. The United States are preventing the Soviet Union. Et a empêché donc l'Union, l'URSS, from spending money in the world. De dépenser. From You said the NU. Let me start again. Sorry, because I'm confused. Let me start again. Oui, on va reprendre parce que j'ai un truc. The United States. Donc les États-Unis. Is going to be used by the papacy. Les États-Unis donc vont être utilisés par la papauté. To help bring down the Soviet Union. Pour l'aider à donc détrôner, renverser l'URSS. They're going to assist radical Islam here. Et donc ils vont assister donc l'islam radical. And so the Soviet Union are pouring in many resources. Et donc comme ça l'URSS va perdre beaucoup de ressources. At the same time. Mais en même temps. The United States are preventing the Soviet Union from doing business in the world. Les États-Unis empêchent l'URSS de faire des affaires dans le monde. And the major one is the following. Et la plus importante est celle-ci. That they can't sell their gas and their oil. L'URSS ne peut pas vendre son pétrole et son gaz. And et aussi, the United States are going to escalate their military power. Et les États-Unis vont donc augmenter leurs forces militaires. In a race against the Soviet Union. Dans une course avec l'Union soviétique. So the Soviet Union have to keep on spending money for their military. Donc ce qui fait que l'URSS devait continuer à dépenser de l'argent dans leur puissance militaire. They succeed in their mission. Ils ont réussi à leur mission. By 1989. Parce que en 1989. This long drawn out war. Cette longue guerre. Between the United States entre les États-Unis and the Soviet Union et l'URSS comes to an end. C'est terminé. Because the Soviet Union are going to be dismantled. Parce que l'URSS a été démantelé. The support for the Mujahideen stops. Et donc, par conséquent, le soutien envers les Mujahideen a cessé, merci. They're no longer being contained by the Soviet Union. Ils n'étaient plus contenus maintenant par l'URSS. So the lid opens. Donc le couvercle s'est ouvert. And they suddenly explode upon the world. Ils ont explosé soudainement partout dans le monde. All of that history. Et toute cette histoire. Is the history of 606. C'est l'histoire originale de 606. To 627. L'histoire qui s'est passée de l'année 606 à l'année 627. This war, cette guerre qui a eu between the Soviet Union and the United States, entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS, was prefigured, avait été préfigurée, by another war, par une autre guerre between, entre pagan Rome, la Rome païenne, which we call the Byzantine Empire, que nous appelons donc l'Empire byzantin, whose capital was Constantinople, dont sa capitale était Constantinople, and Persia. Et la Perse. That war, cette guerre, is the same war, c'est la même guerre, that was occurring here in 1989. Qui s'est passée là en 1989. If you go back to that history, et si vous retournez dans cette histoire, Islam, l'islam, Mohammed, the Arabs, les Arabes, were rising up to be a formidable power in Arabia. Se levait pour être une puissance formidable donc en Arabie. And they had visions of becoming a worldwide power. Et ils avaient reçu la vision qu'ils deviendraient donc une puissance mondiale. If you want to become a worldwide power, et pour devenir une puissance mondiale, you need to go to a country that's got infrastructure and that has resources. Il vous faut donc aller dans un pays qui a des ressources et des infrastructures. So their focus goes to Europe. Donc leur focus c'était qu'ils aillent en Europe. And they want to take Europe. Et ils voulaient donc prendre se saisir de l'Europe. But they can't get into Europe. Mais ils n'ont pas pu pénétrer en Europe. Because Persia is in the way. Parce que la Perse était sur leur chemin. This is a story of geography as much as it is history. C'est une histoire plus axée sur la géographie que sur l'histoire. So when this war between
Constantinople and Persia. Et quand cette guerre entre Constantinople et la Perse comes to its conclusion in 627, s'est terminée en l'an 627, at the Battle of Nineveh, à la bataille de Ninive, then the lid, ensuite donc lid, the cover, ah oui, c'est vrai, le couvercle, which was Persia, qui était donc la Perse, which is the Soviet Union, qui représente donc l'URSS, gets taken away, a été ôté. And Islam, et l'islam, which is in Arabia, qui était donc en Arabie, which is in Afghanistan, qui était donc en Afghanistan, begin to rise, pouvait commencer à s'élever. And they begin to make war, et ils ont commencé, l'islam a commencé à mettre faire la guerre, with Constantinople, avec Constantinople, with the army of Rome, qui est donc l'armée de Rome, with the United States, qui est donc les États-Unis d'Amérique. This is the history, et ça c'est l'histoire, of the rise of Islam, de la montée de l'islam, of the fifth trumpet, à partir de la cinquième trompette. So it begins gradually. Cela a commencé progressivement. But it's going to intensify. Mais cela va s'intensifier. We've already marked. Nous avons déjà noté. 9/11. Que le 11 septembre. To midnight. Là, que à minuit. From Luke chapter 1. Nous avons déjà indiqué minuit 9/11 à minuit à partir de Luc 1. Has been this 150 days. Donc représentait déjà ces 150 jours. So we have this fifth trumpet. Donc nous avons cette cinquième trompette going all the way here, qui va jusque là, to midnight, qui va jusqu'à minuit, cette cinquième trompette. Donc de 1989 jusqu'à minuit. But then we see this intensification of 150 days, mais comme nous avons vu cette intensification de 150 jours, we read Revelation chapter 9, nous avons lu Apocalypse 9, verse, quel verset? Pour les 150, 10. Verse 10. Verset 10. Read verse 10. Verset 10. And this, et ceci, is the first woe. Et cette période de temps là, du 11 septembre à minuit, représente le premier malheur qui est inclus dans la cinquième trompette. And in the first woe, et dans ce premier malheur, what are you only able to do? Ce que vous êtes uniquement capable de faire, you're only allowed to hurt. Vous êtes simplement en mesure de blesser. So you've seen from 9/11, donc vous voyez qu'à partir du 11 septembre to the 2016 where we are today, jusqu'en 2016, date à laquelle nous nous trouvons là, this struggle, cette lutte between radical Islam, entre l'islam radical and the Western countries, et les pays occident, de l'Occident, which is the United States, qui sont donc les États-Unis d'Amérique. This struggle, cette lutte, nobody's getting killed. Personne n'est tué. What I mean by that, ce que je veux dire par cela, is not individuals, ce ne sont pas des individus, but nations, mais des nations dont on parle. All that's happening, tout ce qui se passe là, is that the United States, c'est que les États-Unis and its allies, et pardon. Et ses alliés, merci, are being hurt, sont blessés. So we want to understand, donc, il nous faut comprendre, that this is not just an attack upon the United States, que ce n'est pas simplement une attaque qui vise uniquement les États-Unis, but it's also upon the nations of the world. Mais elle vise aussi les nations du monde. And how do we explain that? Et comment expliquons-nous cela? Because, parce que, in our history, dans notre histoire, that we'd be raised here, but I'll put here, je vais le mettre ici. Oh, bigger, please. On peut effacer ça? Oui, you can erase that, they said. When we had this history, quand nous avons cette histoire, 321, donc 321, to 538, à 538, back here, si nous remontons avant 321, pagan Rome is one kingdom. La Rome païenne ne représente qu'un seul royaume. Then these four trumpets, donc les quatre premières trompettes, are going to dismantle this nation, vont démanteler cette nation. It's going to break it into two parts. Et elle va donc diviser cette nation, Rome païenne, en deux parties. Ten and one. En 10 parties et en une.
And we know that this 10 et nous savons que ces 10 là ends up becoming 7. Se sont finalement sont devenus 7. But it's the symbol of 10 and 1. Mais le symbole de 10 et 1 that we can bring the story of Revelation 17. C'est grâce à ce symbole de 10 et 1 que nous pouvons donc introduire l'histoire d'Apocalypse 17. And we can see that this is dealing with the world. Et nous pouvons voir que cela traite du monde. And this with the United States. Et les 7, ça traite du monde et l'autre partie, les États-Unis, le 1. Because you've got all the nations. Parce que là, vous avez toutes les nations. In this type. Dans ce type. Which are all in Europe. Qui est déjà en Europe. Which then becomes a symbol of the struggle at the end of the world. Qui est devenu après donc un symbole de la lutte à la fin du monde. And both of these two portions of et Rome. Les deux donc chacune des deux parties de Rome. Are going to be defending the papacy. Vont donc défendre la papauté. And you know that. Et vous le savez. Because if you look at Europe. Parce que si vous regardez à l'Europe. The two portions of Europe. Les deux parties de l'Europe. That have very strong. Qui ont. Islamic heritage. Qui ont vraiment un fort héritage musulman islamique. Are what? C'est quelles sont-elles? Do we know? Est-ce que vous savez? Turkey and Spain. Et l'Espagne. And the reason for that. Spain, l'Espagne. Et la raison pour celle-là, pour cela. Because they're the two avenues or routes. Parce que ce sont les deux avenues ou les deux routes. The Islam in this history. Que l'islam dans cette histoire. Not in this history, but in the history here, obviously. Non pas dans l'histoire de celle-ci, mais dans l'autre. Because we're talking about the papacy then. Parce que là, nous parlons de l'histoire de la papauté. When we're dealing with the last, when we're dealing with the two trumpets, the fifth and the sixth. Quand nous parlons des deux trompettes, la cinquième et sixième trompette. The Islam wants to come into Europe. L'islam voulait donc atteindre l'Europe. This is in the West. Et là, c'était l'Occident. And this is in the East. Et là, c'était l'Orient. And in the West, these powers are going to protect. Oh. Et l'Ouest, ces puissances vont le protéger. And in the East, this power is going to protect. Et donc, en Occident, c'est cette puissance qui va les protéger. Et dans l'Orient, c'est les États-Unis qui va protéger la papauté. So here. Donc ici, là. This is why Islam. C'est la raison pour laquelle l'islam is in a struggle est dans une lutte against the whole world. Contre le monde entier. But if you go to Genesis chapter 16, verse 12, mais si vous allez dans Genèse 16 au verset 12, talking about Ishmael, lorsqu'il nous fait mention d'Ismaël, who's the father of Islam, qui est donc le père de l'islam, it has a characteristic that's about him, il a une caractéristique qui le définit. It says that his hand il nous est dit que sa main is against every single man est contre chaque homme individuel and every single man will be against him. Et que chaque homme sera contre lui. And that is a worldwide struggle. Et là, il s'agit donc d'une lutte mondiale. So, we know from 9/11 to the midnight donc nous savons à partir du 11 septembre jusqu'à minuit that Islam is only going to hurt the world. Que l'islam ne pourra que heurter le monde. Now you may not be aware of it. Mais peut-être que vous n'êtes pas conscient de cela. I'm not sure how many of you are in the financial sector. Je ne sais pas combien de vous se trouvent dans la finance. But if you speak to people who are in that business. Si, mais si vous parlez avec des personnes qui travaillent dans la finance. They will tell you. Elles vont vous dire. That the collapse of the world economy. Que l'effondrement du monde économique. At 9/11. Au 11 septembre. Was much more severe than we realized. Était beaucoup plus grave que ce que nous avons réalisé. And nobody really understands. Et personne n'a vraiment compris. How the world is carrying on. Comment le monde a continué malgré tout. Economically speaking. Du point de vue économique. Because the numbers don't add up. Because the numbers. Ouais. Oui. Ah, parce que les chiffres ne s'additionnent pas. Merci. The world is just living in debt. En fin de compte, le monde est endetté et vit avec des dettes. And it's not real money. Et en fin de compte, il ne s'agit pas d'argent réel. They're just numbers on a computer. C'est juste des nombres qui se trouvent sur un ordinateur. Sooner or later. Bientôt.
Someone is going to want to have their money. Quelqu'un voudra récupérer son argent. When that happens, et quand cela va se produire, the economy of the world is just going to break. L'économie du monde va s'effondrer. It's only going to take a light touch. Mais il suffira d'un toucher léger. Because the whole structure is ready to collapse. Parce que toute la structure économique est sur le point de s'effondrer. And that's going to begin. Et cela va commencer. When the killing begins. Quand la tuerie va commencer. Because the killing begins. Parce que la tuerie commence. In the second woe. Dans le deuxième malheur. The sixth trumpet. Qui est inclus dans la sixième trompette. When we talk about killing. Quand nous parlons de l'action de tuer. We're talking about the destruction of nations. Nous parlons de la destruction de nations. Not talking about individual human beings. Nous ne parlons pas de la destruction d'êtres humains individuels. So when we talk about hurting. Quand nous parlons de heurter, blesser. Who's getting hurt? Qui a été blessé? The United States. En fin de compte, c'est les États-Unis qui ont été blessés. And who's getting killed? Et qui seront tués donc? We defined it here. Nous l'avons défini ici, là. It's the United States. C'est les États-Unis également. So when we talk about the killing, donc lorsque nous parlons de l'action de tuer, it's talking about the destruction of a nation. Cela nous parle donc de la destruction d'une nation. And it's really dealing with the economic destruction. Et cela traite vraiment de la destruction économique. The economic killing of a nation. La destruction, la tuerie de l'économie d'une nation. It's not dealing with their military strength. Cela ne parle pas du tout de la force militaire. So we want to understand that. Il nous faut vraiment comprendre ce point. Now the next portion of this history here. Maintenant l'autre partie de cette histoire là. Is a little bit more complicated. Est un peu plus compliqué. But we're going to try and work through this. Mais on va essayer d'y travailler. In our next presentation? No, we can continue. We can continue, yes, continue. So, let's go to Revelation 9. Allons dans Apocalypse 9. Let's try 15 or 25. It's up to you. We read verse 10. Lisons donc le verset 12. Verse 11. Which chapter, pardon? Revelation 9, 11. On va lire le Apocalypse 9, 11. 9, 11. And they had a king over them, is the angel of the bottomless pit. Et elles avaient un roi au-dessus d'elles qui est l'ange de la fosse sans fond. Whose name in the Hebrew tongue is Abaddon. Dont le nom en hébreu est Abaddon. And in the Greek tongue had his name Apollyon. Mais en grec son nom est Apollyon. So you know that this king. Vous savez donc que ce roi. That's over this power. Et qui est au-dessus de cette puissance. His name is death and destruction. Donc son nom c'est la mort et la destruction. And this is in Revelation 9:11. Et cela se trouve dans les versets. Cela se trouve dans Apocalypse 9, verset 11, 9-11. Numbers have symbols. Les nombres ont un symbole. So you want to know. Donc il vous faut savoir. That from 9-11. Qu'à partir du 11 septembre, 9-11. All that you can expect. Tout ce que vous pouvez vous attendre. From the warfare that's going on today. À partir de cette guerre qui a lieu aujourd'hui. Is death. C'est la mort. And destruction. Et la destruction. Because a person's name. Parce que le nom d'une personne. Tells you what his job is. Vous révèle quelle est son œuvre, son travail. So the job function. Donc la fonction. Of these woes. La fonction, le rôle de ces malheurs. Is to spread death and destruction through the world. C'est de répandre la mort et la destruction dans le monde. And everybody. Et tout le monde. He's already beginning to feel the effects of it. A déjà commencé à ressentir les effets de cela. It began 15 years ago. Et cela a commencé il y a 15 ans. Verse 12. Le verset 12 d'Apocalypse 9. One woe is past. Un malheur est passé. And behold, there come two woes more hereafter. Et voici viennent encore deux autres malheurs ci après. So the first woe is past. Donc le premier malheur est passé. And there's going to be two more woes coming. Et il y aura donc deux autres malheurs qui arriveront. Verse 13. Le verset 13. And the sixth angel sounded. Et le sixième ange sonna. And I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God. Et j'ai entendu une voix des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. So when the fifth trumpet stops. Donc quand la cinquième trompette s'arrête. And the
first woe stops, et lorsque le premier malheur s'arrête également, the sixth trumpet begins. La sixième trompette commence. There's a lot that we could say about verse 13. Il y a beaucoup que nous, de choses que nous pourrions dire à partir du verset 13. But it talks about the golden altar which is before God. Mais cela fait allusion à l'autel d'or qui est devant Dieu. Do we know where that is? Savons-nous où cela se trouve? It's in the sanctuary. Holy place. So it's in the holy place. C'est dans le lieu saint. And the purpose of this altar, et le but de cet autel, is to offer incense, c'est d'offrir donc de l'encens, and smoke, et de la fumée, which comes from this burning of the incense, qui provient donc de cet encensoir, to God, à Dieu, who's behind the curtain, qui est derrière le rideau. So when he talks about this golden altar, donc lorsqu'il nous est fait mention de cet autel d'or, there's a connection between this altar, il y a une relation entre cet autel and the most holy place, et le lieu très saint. You can show, vous pouvez montrer, that from midnight, qu'à partir de minuit, to the midnight cry, jusqu'au cri de minuit, is the story, c'est l'histoire, where God's people go into the most holy place, où le peuple de Dieu va dans le lieu très saint. I'm hoping that all of you know, et j'espère que chacun d'entre nous, nous savons, that Christ entered the most holy place in 1844, que Christ est entré dans le lieu très saint en 1844, when he began the work of the judgment of the dead, lorsqu'il a commencé l'œuvre du jugement des morts, or the cleansing of the sanctuary, ou la purification du sanctuaire. The most Adventists, mais la majorité des Adventistes, they think they're already in the most holy place, ils pensent être déjà dans le lieu très saint. But you know you're not, mais vous savez que ce n'est pas le cas. Because most of us have still got sin in our lives. Parce que la majorité d'entre nous, nous péchons encore. And even though we have an intellectual understanding of these truths, et même si nous n'avons pas une compréhension intellectuelle de ces vérités, we don't have a spiritual experience. Nous n'avons pas une expérience spirituelle. So when it talks about the most holy place, alors quand il nous est fait mention du lieu très saint, that's brought to view in this time period, qui est présenté dans cette période de temps, we're talking about an experience that someone has. Nous parlons donc d'une expérience qu'une personne possède. The simplest way that you can see this, et la façon la plus simple pour le voir, is Daniel, c'est Daniel. In chapter 8, verse 14. Daniel 8, 14. What did he see? Qu'est-ce qu'il voit là, Daniel? He saw Christ. Il a vu Christ. Cleaning the sanctuary. Qui nettoyait le sanctuaire. And that's the most holy place experience. Et ça, c'est l'expérience du lieu très saint. The Day of Atonement. Le jour des expiations. But he only had an intellectual experience then. Mais il l'a expérimenté que intellectuellement. And he didn't even understand it correctly. Et en plus, il ne l'a même pas compris correctement. But by the time you come to Daniel 10. Mais quand vous arrivez au chapitre 10 de Daniel. Brother Mark mentioned, et le frère Mark l'a mentionné, from the number 21, à partir du nombre 21. By the way, did you understand how he got 21? Et vous avez compris comment il a 21? Let's turn quickly to Daniel 10. Allons rapidement dans Daniel 10. So I'm not sure if he, I presume he did do that. Je présume qu'il a fait cela. In verse 2. Au verset 2. In those days, en ces jours-là, I, Daniel, was mourning, moi, Daniel, je menais le deuil. Fasting. Je jeûnais. Three full weeks. Trois semaines entières. 3 weeks. Trois semaines. Is 21 days. Trois semaines, c'est 21 jours. The 21 days. Et 21 jours. Takes you to midnight. Vous amène donc à minuit. And how do we know that? Et comment savons-nous cela? Because we already defined back in Millerite history. Parce que nous avons déjà défini quand nous allons dans l'histoire des Millerites. July 21st. Que le 21 juillet. Was when midnight happened. Le 21 juillet 1844, c'est à ce moment-là que minuit a eu lieu dans l'histoire des Millerites. Have I gone too fast for people? Est-ce que je vais trop vite pour certaines personnes? She did not hear. Donc. Yeah, I thought some people didn't hear. Je pense que certaines personnes n'ont pas entendu. What I'm saying in verse
Revelation 9, verse 13. Ce que je suis en train de dire, Apocalypse 9, 13. Talks about the four horns on the golden altar. Parle des quatre cornes près de l'autel d'or. The ministration of that work. Et le ministère de cette œuvre. Is connected with the work of the most holy place. Est en lien avec l'œuvre qui se passe dans le lieu très saint. And the most holy place experience. Et l'expérience qu'on a au lieu très saint. Not intellectually, but experimentally. Non pas de façon intellectuelle, mais de façon pratique. Begins at midnight. Commence donc à minuit. And you can demonstrate that. Et vous pouvez le démontrer. When you go to Daniel chapter 10. Quand vous allez dans Daniel 10. Because in Daniel chapter 10. Parce que dans Daniel 10. He's going to have an experience. Daniel va avoir une expérience. With Christ. Avec Christ. But he already had seen Christ. Il a déjà vu Christ. In Daniel chapter 8, verse 14. Dans Daniel 8, verset 14. But in 8:14. Mais dans 8:14. He only had an intellectual experience. Il n'a reçu qu'une expérience intellectuelle. But in chapter 10. Mais au chapitre 10. He's going to have a spiritual experience. Il aura donc une expérience. And we know that this is midnight. Et nous savons qu'il s'agit de minuit. Because in verse 2. Parce qu'au verset 2 de Daniel 10. It says he was fasting for 21 days. Il nous est dit qu'il a jeûné pendant 21 jours. And at the end of that 21 days. Et à la fin de ces 21 jours. He's going to have this experience. Il aura donc cette expérience. But in the Millerite history. Mais dans l'histoire des Millerites. We saw that July 21st. Nous avons vu que juillet, le 21 juillet. Was also marked as midnight. Le 21 juillet du 144 indiquait également minuit. So we use the 21 from Millerite history. Donc nous utilisons le 21 pris de l'histoire des Millerites. With the 21 of Daniel 10. Qui représente et les 21 de Daniel 10, 2. One of them marks midnight. Pardon? One of them marks midnight. L'un des deux identifie donc minuit. And one of them marks the experience that Daniel's having. Et l'autre indique l'expérience que Daniel a eue. And we had one more connection, if you remember. Et nous avons une autre connexion, si vous vous souvenez. July 21st. Le 21 juillet. When you take that back into the biblical history, quand vous ramenez ça donc dans l'histoire biblique, is everybody up to speed? Is everybody okay? Tout le monde est okay là? July 21st, le 21 juillet, was the fifth day of the fourth month. C'était le cinquième jour du quatrième mois. Ezekiel chapter 1. Si on prend cette date dans Ézéchiel 1. And the experience that he's having there. Et l'expérience qu'Ézéchiel a là, ce jour. Is the same experience that Daniel is having here. C'est la même expérience que celle que Daniel a là. Daniel's in the most holy place. Daniel est dans le lieu très saint. And he's having this vision. Et il a cette vision. Which is the same vision that Ezekiel's having. Qui est la même vision que celle d'Ézéchiel. So what we want to see. Donc ce que nous aimerions voir. And Brother Mark's gone into detail about this. Et le frère Marc a détaillé cela. Is that in this time period here. C'est que dans cette période de temps qui couvre minuit à cri de minuit. When the killing begins, quand la tuerie commence, or the destruction of the United States, ou la destruction des États-Unis commence, because I think the killing gives a wrong impression, parce que je pense que le mot tuerie donne une mauvaise impression. At the same time this destruction is occurring, en même temps que cette destruction a lieu, God's people are entering into an experience, le peuple de Dieu entre dans une expérience, in the most holy place, dans le lieu très saint. If you're in the most holy place experience, et c'est l'expérience de cette l'expérience qui a lieu au lieu très saint. You cannot be having any sin. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir de péché en nous pour avoir cette expérience. This is the blotting out of sin. Et ça représente l'effacement des péchés. First for the priests. Premièrement pour les prêtres. Then the Levites, then the world. Et ensuite les Lévites et ensuite le monde. Verse 14. Le verset 14 de Daniel, d'Apocalypse. Revelation 9. Apocalypse 9, verset 14. Saying to the sixth angel which had the trumpet. Disant au sixième ange qui avait la trompette. Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. And the four angels were loosed. Et les quatre anges furent déliés. Which were prepared for an hour. A day, a month, and a year. Qui était donc préparé pour l'heure, le jour, le mois et l'année. So you have 1 hour.
Donc vous avez une heure. Hour. H. H. One day. Un jour, une heure, un jour. One month. Un mois. And one year. Une année. So we want to understand this time prophecy. Il nous faut comprendre cette prophétie de temps. But this time prophecy here. Mais cette prophétie de temps là. Is going to be connected with the second woe. Sera en rapport avec le deuxième malheur. So there's a one, two, three, four. Il y en a un, deux, trois, quatre. So you see the symbol of four here. Donc vous voyez là le symbole de quatre. Il y a quatre éléments. Une heure, un jour, un mois, une année. Donc quatre éléments et vous voyez le symbole de quatre qui est là. In our next presentation, dans notre prochaine présentation, we're going to just understand this time prophecy, nous allons essayer de comprendre cette prophétie de temps and we're going to develop a history here. Et nous allons développer l'histoire qui suit entre minuit à la loi du dimanche. This bit is relatively straightforward. Et ça sera quasiment direct, clair it's, du moins. It's how we understand this second woe. Maintenant, c'est de quelle façon donc nous comprenons ce deuxième malheur. Remember what we're trying to do. Et rappelez-vous ce que nous essayons de faire. We're trying to say nous essayons de dire, pardon, that the first woe que le premier malheur and the second woe et que le deuxième malheur are equal to the third. Équivaut au troisième malheur. That's what we're trying to explain. C'est ce que nous essayons d'expliquer là. And the first is relatively straightforward. Et le premier, il est plus ou moins clair maintenant. The third is the second is a bit more complicated. Et le deuxième, il est un peu plus compliqué. So, hopefully everything that we've discussed is beginning to make sense. Et j'espère que tout ce que dont nous avons parlé là, ça commence à avoir du sens pour vous. And what we want to see. Et ce que nous voudrions voir. Is that if you think things are bad in the world today. Si vous pensez que les choses sont mauvaises en ce moment dans le monde. They're about to get a lot worse. C'est-à-dire que bientôt elles seront, ça sera pire. Let's pray. Prions. Heavenly Father. Père céleste. We thank you for your watch care over your people. Nous te remercions pour tes soins envers ton peuple. We thank you for your promise. Nous te remercions pour tes promesses. That as your faithful children enter into the experience of midnight. Que tes fidèles enfants vont entrer dans l'expérience de minuit. As the army of Rome begins to be destroyed. Alors que l'armée de Rome commence à être détruite. That you will hide us. Que tu vas donc nous cacher. And protect us. Et nous protéger. As we enter into the most holy place experience. Alors que nous allons entrer dans l'expérience du lieu très saint. Before that time. Avant que cela ne se passe. There is still so much work to do. Il y a encore tant de travail à faire. And we want to ask for strength. Et nous voudrions te demander pour de la force. That you might help us to do this work. Afin que tu puisses nous aider à faire cette œuvre. Father, we know that we need more than spiritual food. Et nous savons que nous avons besoin de beaucoup plus de nourriture spirituelle. Therefore we ask for physical strength. Et c'est pour ça que nous te demandons donc cette force physique. Which is provided by the food that we're to eat now. Qui sera fournie par la nourriture que nous allons consommer maintenant. And we want to ask for a blessing. Et nous voudrions te demander une bénédiction. Upon that food. Sur cette nourriture. In Jesus' name. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.